tristesse. Et voilà. Ça va coller un peu n'importe où. Ok, format donné un cours démonté. Ok, oh, on peut les enlever, c'est pas fixe à 100%. Bonjour ma gang de parfums, c'est DoomKC89, on est de retour dans The Forest pour notre épisode numéro 12 de notre Let's Play. Aujourd'hui, on va faire de quoi? Hey, j'ai appris des trucs très très intéressants. Alors c'est ça que je voulais faire un peu, un genre de... ça me fait penser à un phare. Une grosse lumière, puis ça éclaire quand même assez loin durant la nuit. On a quand même assez de visibilité, je pense à peut-être en faire autour de ma base. On va voir des gros feux dans un gazebo. Je trouve ça de la gueule. Ça de la gueule. Bon, ok, oui, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être l'amélioration de mes armes, parce que j'ai appris que je pouvais faire des améliorations sur mes armes. Augmenter le dommage, la vitesse. En fait, on est dans l'inventaire. Et on peut faire jusqu'à 30 améliorations sur chaque arme. Et je crois que ça nous prend de la sève aussi pour mettre les améliorations. On peut mettre les dents, qui augmentent le dommage, mais diminuent la vitesse. Et dans le fond... je me souviens pas des chiffres, mais elle augmente une certaine quantité le dommage et enlève la moitié en vitesse. Donc, on peut mettre les dents. On peut mettre des plumes qui, au contraire, vont augmenter la vitesse et diminuer le dommage. Et du verre. Donc, j'imagine l'alcool qu'on utilise qui fait la même affaire que les dents finalement. Donc, pourquoi utiliser le verre? Je comprends pas, mais en tout cas. Donc, je mets une dent, c'est ici, la sève, ça, puis je sais pas si je peux, oups, on la voit ici sur le côté, je sais pas si je peux décider, je sais qu'on peut le faire, je sais pas comment, décider à quel endroit je vais venir, bon, coller les dents, puis donc ça, ça fait que... on la voit sur le côté. On en a une de chaque côté. Ça fait que les armes vont pouvoir devenir pas mal plus fortes que ce que j'ai en ce moment. Même le katana en soi, il est pas aussi fort. Parce que je pense que lui, on peut pas l'améliorer. Non, c'est ça. Pas avec ça, en fait. Il y a vraiment différents types d'amélioration. Il y a, exemple... on peut mettre... sur le katana, ce qu'on peut mettre, c'est du poison. Fait que, pis ça c'est une amélioration qui est temporaire. Comme ça. Puis donc c'est ça, ça va durer un certain nombre de coups j'imagine. On peut acheter des dégâts de feu, je sais que... avec soit de l'alcool... un peu, c'est juste ça de même? On peut mettre de l'alcool ou... non c'est pas un molotov, c'est du tissu. Puis de l'alcool. En tout cas, bref, on peut faire différentes améliorations. Soit en mettant, ouais, c'est ça, soit en mettant juste l'alcool direct ou du tissu. Puis le tissu dure plus longtemps que juste l'alcool, si j'ai bien compris. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va améliorer la hache. Ça va pas être notre meilleure arme, outil et arme en fait, si on l'améliore. Je vais en rajouter 8. Puis on voit la différence que ça vient faire. Et ça met ça pas mal au hasard. J'aimerais ça pouvoir décider où est-ce que je les mets. Je sais que ça se fait, mais je sais pas, je me souviens pas comment. Bâtimbe. Et ça, c'est permanent. Une fois que c'est fait, ça ne peut pas être changé. Même en multijoueur... sont dans le fond, c'est comme lié à au joueur plutôt que lié à l'item, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que si je donnerais ma hache à un autre joueur, il n'y aurait pas les mêmes améliorations que moi.
À moins qu'il ait mis les mêmes améliorations, là, mais. Faudrait peut-être que je fasse cuire ça, moi. Je fasse sécher ma viande. Puis-je? Non, les petits bouts de viande, je peux pas les faire sécher, c'est vrai. Je peux juste les faire cuire. Bon, mais. Ah, je peux pas faire rien cuire là-dessus, c'est trop gros, I guess. Tant pis. Alright. Fait que ça augmente les dégâts. On peut mettre jusqu'à 30. J'ai vraiment l'impression qu'elle est plus lente. Je sais pas si ça augmente les dégâts qu'on fait par exemple ou je sais pas si ça augmente les dégâts qu'on fait par exemple aux arbres, ça va accélérer notre accélérer nos coups par exemple. Là j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Ça va coller un peu n'importe où. Ok, faut me donner un cours démontré. Ok, oh, on peut les enlever, c'est pas fixe à 100%. Ok. Bon, en tout cas, si vous savez comment faire pour les mettre où vous voulez, les stems, dites-moi là. Ou ce bout de viande. Ah. Extra calciné. Non, il est pas spray. Ok. Good. Non, je vais taponner. Moi, je m'en vais trouver une solution. Équiper, supprimer, tout supprimer. Combiner, tout supprimer. Je comprends pas. Je sais qu'il y a manière de le faire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis quand on enlève les améliorations, quand on fait démonter, on perd, je pense, la moitié ou quelque chose comme ça. On a 4 pièces sur 7 de pistolet. 7 sur 8 pièces d'ancien pistolet. 4 sur 7. 7 sur 8. Comprends pas. Ah, c'est vraiment, c'est du camouflage. Ça a l'air épais. Et belle ma hache en plume. Bon, on va les voir. On va tester voir. Je sais que d'habitude ça me prenait 9 coups pour coucher un arbre. Est-ce que maintenant ça va être plus ou ça va être la même affaire ou moins ou whatever. Plus ça me surprendrait là. Bon, ça
semble être la même affaire pour au niveau du côté outils. C'est le fun, au moins je sais que ça existe. J'ai hâte de voir la différence que ça fait en termes de dégâts là. Je sais que c'est ça, il y a beaucoup d'armes qui peuvent être améliorées. Oh my god, ça on va aller voir mon ami là-bas. Là aussi, ils sont une gang. C'est ça, tu dis! C'est des molotovs, c'est quoi ce gang de fous? Attends chez vous. Non, j'ai un pyromane cannibale. Comme deux. Je pense que je vais aimer mieux avoir des armes plus rapides. Parce que c'est le fun de fesser fort, mais. De pouvoir l'empêcher de m'attaquer aussi en frappant tellement vite qu'il peut rien faire. Mais là, ok, aujourd'hui, il y a une autre affaire qu'il faut que je trouve. Oh, regardons les jambes qui partent dans tous les sens. Pauvres jambes. Je viens-tu de scraper mon feu de camp, hein? Ouais, oui, toi. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. De toute façon, je vais le mettre ailleurs. Mettre proche de la cuisine plutôt. Je me suis trouvé une jambe. À coup de jambe. Non mais sérieux, arrête de tout péter. C'est con. Ok. Je me sens stupide. Bon. Trêve de plaisanterie. C'est pas que je me suis énervé avec les jambes de quelqu'un d'autre. Bon, on va finir ça. Puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui, faut que j'aille dans un village, dans des villages. Ramasser du tissu, j'en ai plus. J'en ai besoin. Fait qu'en même temps, on va explorer. Mais c'est surtout trouver des campements, des villages pour le tissu. Mon objectif. Alright. Juste là. Ce que je trouve drôle, c'est que je me pensais, sans trop réfléchir, je me pensais sur l'autre côté de la carte. En fait, je suis plus. Si j'ouvre la carte, parce que c'est beau de dire de l'autre côté de la carte, ça veut rien dire. Hein. Je vais commencer ça. Je pensais que mon campement était plus au sud du trou, mais non, c'est à l'est. Mais bon, apparemment que je m'étais trompé. Juste une impression comme ça qui finalement était pas bonne. Donc ces petites effigies là, bonne façon d'amoncer du tissu. Sinon, dans les valises, sauf que les valises normalement ne réapparaissent pas, en tout cas pour la majorité. Une fois qu'on les a ouvertes, c'est fini. Une fois, on n'en parle plus. Et ça, il y a des gens qui vivent dans ce village encore. Et j'ai découvert aussi quelque chose. C'est que les attaques
Les cannibales sont pas au hasard, il y a certaines routes de patrouille qui font. Et ah, il manque un os. J'ai pas d'armure pantoute là. Je suis pas en bonne shape. Ils font certaines routes de patrouille. Puis bon aussi, je pense que apparemment quand on allume un feu, ça se peut que ça les attire. Ça fait du sens. On fait de la lumière, on fait du bruit, whatever. Ça attire leur attention. C'est des petits curieux, ces gens. Il est down. Colin. Attends, on va au moins se soigner. J'ai pas d'armure. On serait pas me tuer en me pitchant en bas d'une montagne. Donc, je sais pas à ce moment-là. Pour couper du bois plus rapidement possible, est-ce que je serais mieux de mettre de la vitesse sur ma hache? Parce que si la quantité de coups ne change pas, mais si je frappe plus vite, ce serait plus intelligent de faire ça, peut-être. Je sais pas. C'est pas plus grave que ça parce qu'on peut faire les modifications au fur et à mesure. Un autre endroit où on peut trouver des études d'habitude, c'est des fois on en trouve dans les villages, là, comme des espèces de cordes à linge. Quoique les cannibales en soi portent pas tant de vêtements que ça, mais. Donc c'est ça, probablement que je suis installé proche d'une route de patrouille, puis c'est pour ça qu'il passe près de chez nous. Il y a sûrement des endroits où ce qu'on pourrait s'installer que on aurait la paix. Allô? T'es-tu seul? T'as pas d'amis? J'attends pas, je veux juste te montrer mes belles plumes. Regarde mes belles plumes. Va-t'en, mes plumes! Hey! Hey! Commence pas ça! Oh! Power attack! Je pense qu'elle est morte. C'en est fini de toi, ma chère! T'as voulu crier à côté de moi? Pas de même, ça marche. Si je suis pas fou, ouais. Si je me souviens bien, il y a bel et bien une grotte. J'ai le coup de me faire un feu de camp ici. Juste pour avancer les os. Puis pendant ce temps-là, je vais me construire un petit banc aussi. Pour récupérer mon énergie. Et là, on est brûlé, fatigué, épuisé, la vie, c'est difficile. Juste un bout de tissu, c'est triste. Pousse-moi pas dans le feu! Vous autres, là. Arrêtez de rouler. Il suffit. Où donc le petit bain? Ah, traite-le. Donc, au moins être capable de me faire une pièce d'armure. Cool. Mais ça, je suis déjà venu dans cette grotte-là. Bon, on va essayer de trouver un autre village. Ouais. C'est juste une pierre. Je pensais que c'était la plante qui était importante. J'ai comme, ça me dit rien cette plante-là. J'ai pas ramassé ça. Bon, et c'est normal, c'est juste de la décoration.
Nouvelle entrée dans la liste. Ben oui, une autre grotte que... Elle, je l'ai pas vue, par exemple. Ben là, tu piques ma curiosité, mon homme. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, B. B pour book. B pour book. J'allais voir dans la checklist. Explorer la grotte du rebord. Ouais. C'est ça. Une nouvelle grotte. Les noms des grottes, ils sont pas très aidants à savoir laquelle est laquelle, par exemple. C'est pas très. Le nom est pas tant utile. Donc, on va installer ça. Ainsi que. J'ai dit. D'habitude, je mets deux lampes. Hein. Faudrait bien que j'y mette dans. Décoration, décoration, décoration. Voilà. Et voilà une. Et voilà deux. Juste ça. Bûcher quelques petits arbres. J'ai construit mon banc, mais je me suis même pas assis dessus finalement. J'ai même pas utilisé. En tant qu'à l'avoir fait, hein. On le laisse là, il s'en verra pas. Dou, 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 dou. L'amélioration qui serait intéressante, c'est que ça prenne moins de stamina, exemple, pour les outils, ça serait pas pire à faire comme ça, comme boost. Là, pour l'instant, as far as I know. Dude. Regarde, j'essaie juste de me construire un abri tranquillo, ça. Regarde, je vais revenir de bord. Allez, massa 2 minutes. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Je vais juste avoir plus de stamina pour vous crisser une volée, oui. Allô? Je vais rentrer dans la grotte tout de suite, puis au yard blabla. Allô les amis, bye bye les amis. Ah, c'était beau ça, si je frappais dans le vide, je l'ai impressionné, je suis sûr. Ah, ok. T'attendais que je t'attaque pour. Ah, de toute façon, regarde, c'est pour faire noir là. Rentre en dedans, bye bye, bonne nuit. On va descendre là-dedans. Hey, c'est encourageant, Nasty, ça? Il y a de quoi être gros là-dedans qui veut ma peau. Hein? Je pense que je vais sortir ma flashlight. Bon, de retour dans l'annonceur. Et oui, on m'a dit dans la dernière vidéo, hey, le tweet, t'avais des torches dans ton inventaire, j'aurais pu me servir d'une torche. En effet, ça aurait été brillant. Et je sais pas, j'y ai même pas pensé. Je vais avoir une meilleure. Meilleure clarté si j'utilise une torche. Hein? Ou ce que je peux faire, je peux peut-être le faire avec ça. Faire comme ça. Et allumer. Bah, encore mieux qu'une torche. Sauf que bon, le tissu étant une denrée rare, je ne devrais pas trop abuser. Ah, c'est une paroi. Je pensais que c'était un cannibale.
Peut-être que je regarde comme faut en haut, là, en descendant. Soif, trouver de l'eau potable. C'est pas le temps d'avoir faim, d'avoir soif. Donc ma hache va dû rester en feu pendant un certain temps. C'est pas illimité cependant. Mais là, elle s'éteint dans certains moments, comme là. Et je vais pouvoir la rallumer. En bas. Pareil, si je vais dans l'eau, je crois, ça va s'éteindre, puis je vais pouvoir la rallumer par la suite. J'ai pas encore tout testé les possibilités. Mais j'ai vu une vidéo qui était très intéressante, très utile là-dessus, qui m'a donné l'information que j'avais besoin. Hein, double lumière, mouahaha, full utile, mais je redescends encore. On entend le pshhh. Ah, c'est une génératrice, je me demandais c'était quoi cette affaire-là, Ange. Oh! Des bébés morts. Pas morts. Fait qu'il y a le petit passage ici, mais il y avait le principal passage dans le fond un peu plus loin. S'il y a ça, ils sont pas tout seuls. Il doit y avoir un mutant quelque part en bas là. Goodbye, bitches. Sauvegarde ici, mais ça a l'air que j'ai froid, fait qu'on va se faire un feu aussi. Froid et faim. Ok, je suis en train de me demander si c'est juste ça. Apparemment que non. Ok, un build. Un feu. Parce que là, je commence à grelotter solide, pis c'est pas joli. Jerrycan. J'ai pas amené de bouffe non plus, t'sais. Ah, ma gourde est vide. J'avais très planifié de faire ça. D'arriver ici, pas de nourriture. Voir où ça nous mène. Qu'à partir du moment où j'ai pas l'accès à ma. Je peux pas avoir ma hache dans les mains. Je comprends bien. On arrive sur le côté de la. Un autre endroit. C'est pas la première fois qu'on arrive sur le bord. Du puits.
On les prend, on va prendre le bois parce qu'on en a besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? X marks the spot. Je pense savoir c'est où. C'est le. Sur le bord de la plage, il y a un arbre tout seul. À un moment donné. Une espèce de grand arbre. Puis... Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais c'est où. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trouve là. Est-ce qu'il y a de quoi creuser? Une autre entrée de grotte là. On va finir de voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais, c'est pas mal tout, hein. Je vais faire de quoi, plafonne? Oups. Ça tombe au travers du plancher. Ah, ça là, il est pas passé au travers du sol. Cool. T'as qu'à en avoir du site là, qui traîne. Pourquoi pas. Bon, ben déjà, on sait qu'on a un autre chemin qu'on peut utiliser. C'est pas ce que je veux faire. Oh my god, il y a de l'écho, c'est bien cool! Ah ah, il y a de l'écho! J'ai avec l'écho, moi là je m'amuse. Ah, ok, j'ai perdu la flamme sur mon. Un bout dessus. Ici, je sais pas si je peux combiner ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'est soit un soit l'autre. Puis c'est quoi? Je peux. Ah, peut-être là. Non, non, qu'est-ce que je. En plus, dégâts. Ah, de la sève, I guess. Ah. Ok, cool. Mais non, ça m'a donné du verre. Le petit truc transparent qu'on voit sur le bord de la lame. Ça a utilisé ça comme une amélioration de verre. Donc c'est ça, je dois utiliser des bouteilles de boisson pour ajouter le verre. Les bouteilles d'alcool. C'est l'alcool. Pas encore, vous autres. Ow. Oh, il est pas tiré. Hein? J'ai donné trop de coups. Ah, du mur. Tu bien? Arrête de tricher! Clico, c'est ça la coche! Ok. Bon. Faites partir de la maison avec des vrais bébés. Putain, les vrais bébés, ça vole pas. Ça se balance pas dans le vide comme ça. Ah, si je me demandais, j'entendais le coup bouger.
Tut, connard! Bon, on se fait un feu de camp, on se fait une armure parce que je me suis fait craper encore mon armure! Oh, t'as dit. Ah, ben j'ai trouvé un autre passager. Tabouère! C'est juste qu'il me dit que je descends pas là, moi. Pas de suite, en tout cas. The hell? Il y a comme une falaise, une cliff toute là. Une petite paroi qu'on peut se. On veut marcher tout le tour. Pas tout le tour en fait. Ah, ben 8B. Il y a de quoi en bas? Aller chercher mes os là. Ah, je peux peut-être sauter, je sais pas si j'ai de la place pour sauter par-dessus. Ouais, ok. Comme une génératrice là, mais c'est parce que si je descends là, je pourrais pas remonter. Ok, c'est juste un bassin d'eau qui sert à rien. Ça vient de nulle part. Peut-être qu'en faisant le tour, je vais trouver une façon de descendre en douce. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est démonter ça, enlever ça, mettre des piles neuves, combiner ça avec un bout de tape, boum, on est reparti. Chance que j'ai des cochonneries à grignoter parce que sérieux. Hein? Oh, allô toi. Et tu peux te sauver, je te vois. Ah, oh, c'est pas une bébé mort. C'est un comique, hein? Ah, tu penses bien hot! Ok, on va changer de stratégie. T'es pas tout seul, t'as des amis! On va venir de la lumière, par exemple. Suffit! Ça, toi. Ah, t'es debout, Western. T'en as pas eu assez. Aïe, aïe. Mon petit cabochon. J'ai littéralement pété les dents. Là. Encore envie, toi? Ben oui. Ok, bon. Alléluia! Hey, je regarde l'heure! Tiens, en fait. Je me suis laissé emporter. Hein. On l'a trouvé! On l'a trouvé!
La fameuse. Le fameux piolet. Ah, c'est merveilleux, c'est juste de tenir ça comme ça. Ça se fait tout seul. Les cornes servent vraiment à rien à part juste pour le look là, parce que en fait, pour les autres grimpeurs, ça devait servir à quelque chose. Hein? Mais pour nous, ça n'a pas l'air d'avoir d'utilité. Alright, on termine l'épisode là-dessus. Je vais essayer de trouver une façon de sauvegarder pas trop loin. Puis on va continuer l'exploration de cette caverne-là. À ce temps qu'on a le piolet, on va peut-être pouvoir descendre dans le fond du trou. C'est pas ce que je cherche. Ce que je veux faire au moins, c'est me faire un feu pour commencer. On va voir ce que je fais. Ah, j'aurais dû le faire en bas. Les cadavres sont en bas. Je peux pas brûler les autres sites. Too bad. Alright, c'était donc ce grain-là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Oh yeah, on a le piolet. On a le piolet. Ciao! Il est malade.